En tout cas, le dernier tweet, Giovanni Michel, sous madame et Marie Scott. On garde tout ça. Alors, nous basons, madame, monsieur, okay, sur tout ça. Oui. Pour garder le dossier on a, en aller. Selon Giovanni Michel, Marguerite Berthe Marie Scott décaissé 30 millions de goudes en mars dernier pour imprimer des calendriers du nouvel an. Mm. Pour l'ONA, malgré nous ne sommes pas en décembre, parce que décembre, ok, malgré nous ne sommes pas en décembre, en utilisant une entreprise de l'ex-premier ministre, non, de une entreprise appartenant, en utilisant une entreprise appartenant à l'ancien chef cabinet de l'ex-premier ministre Ariel Henry, l'ingénieur Samuel Saturné encore. Éric Tebaljob là. Afin de faciliter le détournement de ces fonds, puisqu'aucun calendrier n'a été imprimé malgré le décaissement de 30 millions de goudes. OK, selon Giovanni Michel, journaliste. OK? Alors, la fini notre lia pour dire que il faut rappeler, selon Giovanni Michel, que Marguerite Berthe Marie Scott a été nommée à la tête de l'ONA le 13 février 2023 en récompense à monsieur Willem Lemke. Ah bon? Willem Lemke, Laurent Saint-Cyr, Samuel Saturné et Edouard Bossan, selon la on cité Giovanni Michel. Maintenant l'autre bagaille qui vient, c'est que premier ministre Gary Conille, pendant lui est intronisé comme chef du gouvernement, il était passé des instructions formelles au niveau de l'administration publique, une circulaire était sortie pour que pas gagner ni nomination, ni révocation, ni promotion. Madame Marie Scott nommée plus passer 50 monde dans l'ONA pour le compte de plusieurs leaders politiques. OK? Mais ça, Esaü, c'est pas normal. Avec promotion encore. Et là, on a battu dans l'administration. Esaü, oui. Ça, c'est pas normal, dans seulement l'IRIV, non? Voilà. OK, l'IRIV dans plusieurs autres directions générales. C'est très malheureux. Il y a des leaders politiques qui font pression sur des directeurs généraux pour promettre qu'il y a priorité. OK? Qui, hein? Oui. Promotion à des employés qui vont mériter promotion. C'est vagabondage. Parce que l'on prend par exemple le cas de l'ONA. L'on entre, ok, sous base concours ou bien selon ou bien ou contrat dans l'ONA. Maintenant, le ou accepte bayon moun grade agent 1 pendant que moun fait avancer dans l'ONA ou tout mette le chef. Le moun nan agent 1, on si calé on y traverse, il tombe chef de service ou bien assistant chef de service. Nous avons dit que madame Marie Scott, c'est gros des autres différents. Pendant que, il y a des gens qui ont cancané depuis 5-6 ans, ils n'ont pas jamais pris promotion. Il y a des gens qui ont 10 ans qui n'ont pas promotion. Donc, madame Marie Scott, permettre à Angèle le droit pour la nommer, okay, pour la bailler promotion à des gens qui pas mérité ça. Donc, ça veut dire que, moi, j'ai écrasé ONA, ok? Et je ne veux dire là, moun ONA, boîte ça presque éclaté. En tout cas. Son dossier n'a pas suivi ici, donc madame, monsieur, donc à l'émission Matin Débat. Parlant de l'administration, comme nous avons l'administration Louko Désir, primature a presque éclaté tout, dans le moment où on a parlé là. Primature a presque éclaté, bon question de 4 de débit, il va qui ça n'a pas fait avec l'agent ça, dans le niveau administration primature là, Gary Conille, dégageons, j'ai une question parce que l'employeur a plaigné, il a fermé une boîte là sous ou là, dans le jour qu'il a la primature. 4 de débio, moun yo pas recevoir 4 de débio, des employés qui doivent gagner ça n'est les 4 de débio, yo pas bayol. Donc je dis à là, il y a plein et yo dit que il y a fermé primature là sous Gary Conille. Le Gary Conille agit, on aller. N'a pas de dernier point avant nous prendre Tijan, pas oublier que chaque mardi nous prenons Tijan à l'émission Matin Débat, donc fanatique Tijan qui Boston, qui Montréal, qui New York,
qui Brooklyn, qui nous jase, et bien Tijan va rentrer tout à l'heure, donc dans l'émission Matin Débat, on a regardé des points, on a proposé, et puis après la pause là, on a rentré avec Tijan. Haïti, insécurité, le kidnapping reprend de la vitesse de la capitale haïtienne. Non, Milramo, s'a-t-il fait piéger? Ils ont eu, non, mais ça n'a pas l'air. Oui, Non, Milramo, c'est Johan Abdoula, ailleurs, Louko Désir, directeur général de la police nationale là, monsieur fait pour comprendre ça, j'ai été entré dans la tête police là en 2019 là, c'est pas qu'on s'allait retourner dans la tête police en 2024. Non, Milramo, qui habite à travailler dans le domaine de la contre-criminalité, il y qui traverse la République dominicaine là et ton bandit. Et pas jouet, non? Donc, non, Milramo, connaît ça pour le fait. Jodi à la, ou pas qu'on entre dans la tête de la police, ou qu'on est son police qui piégé, gon façon pour gérer question proximité en de police là. Très bien. Chef opération dans police là, même les bons amis liés, immédiatement que vous venez, vous faites pour changer. Parce que c'est un lot donne qui est là. Alors, bien que ça a eu, et question kidnapping, non. Ok, ils sont gros organisations, parce qu'on avait hier. Ah oui, gros organisations. DCPJ, DCPJ. Ok, il y a deux bras qui l'ont. Ok, très important. Donc, on avait hier, madame. Très important, madame, monsieur, que nous devons retenir. La fin de la mission du BINU. Côté que le parle besoin d'un renouvellement en octobre. Non, nous avons renouvellement. Nous avons renouvellement fait déjà. Non, moi je suis là. Je passe là, oui. Il a renouvelé. Oui, il a fait lui. Il a renouvelé BINU pour un an. Il est de bout. Il est bout déjà. Il a renouvelé. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Pourquoi on a un problème? Bon diable. On a un problème. Ou pas de brancher, pas de diable. Pardonnez-le. Non, mais écoutez. Oui. On connaît que, en fait, BINU, c'est toujours en octobre que le mandat renouvelé. Oui, d'ordinaire. Mais ils ont anticipé, ils ont fait en juillet, là. Oui, même ça, c'est tout. Ça, c'est très important. C'est toujours en octobre qu'on renouvelé. Mais ils ont renouvelé depuis le début mois de juillet, là. 19 octobre. Okay. De chaque année. C'est ça. Donc, il y a un renouvelé, ok, il y a renouvelé mandat BINU pour 2025, ok? Maintenant, on a le cas de Non Milramo, 7 cas de kidnapping en 13 jours. Alors, du premier, sorti du premier pour arriver 13 juillet, 7 cas de kidnapping. Et, coup ça, monsieur prend là-haut, monsieur prend coup ça dans mes policiers, monsieur prend coup ça dans mes groupes, ou pas la pensée, qui pensait et cap qui c'est des têtes pensantes au niveau du kidnapping. Ouais. Donc, Non Milramo, journée aujourd'hui là, faut que monsieur mette un bras de fer. Bras de fer, côté faut le parer pour tout le monde. T'as dit, moi qui m'appelle ça? Faut que Non Milramo parer pour tout le monde, même maman la papa. Quand papa le mourir, assassiné papa le dire. Jodi là, dans ce lieu là, faut monsieur connaît côté l'entrée là. Même j'en ai, fantôme 69, tu es accaparé police pour te faire des blousailles. Tu es organisé avec classe politique pour te capable de craser police là. Bah, j'en ai pas eu que tout le monde. Jodi là, Fantôme 69 là, capable de retourner, j'en dis à son autre femme pour mettre pour figure papier, monsieur. Faut que Non Milramo mette crampon en papier, faut monsieur mette ceinture de fer pour le capable gérer la police là. Et maintenant, monsieur, pour lui continuer à opérer des changements dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dans les directions et centrales, et mon papa le dit ça pour le faire. Moi-même, si je me donne en place, je me changer de CPJ. Très bien. Parce que le bras judiciaire. Là, on pense que Non Milramo piégé. Piégé. Il se fait piéger parce que il n'a pas organisé le recommandement de la police nationale. Elle dit des postes clés, des postes stratégiques au sein de l'institution policière, sous pas moi et ou chiré. L'ougonazir, bon tout bagaille. Est-ce qu'on connaît conseil de moun là que la police nationale a cherché cap marché non blindé avec des plaques diplomatiques. Toi dis-moi là. Oh. Que la police a cherché, oui, ça juste là. L'ougonazir, est-ce qu'on connaît ah? C'est déclaration fait là. Attendez, l'ougonazir. Gagné nèg la police a cherché là. Qui nan corps diplomatique qui n'a machine officielle cap flané dans pays là. Donc ça veut dire que DCPJ gagne un fichier technique
de moun sa yo, de CPJ gagne tout dossier, tout vagabond en de pays ya. Commissaire du gouvernement yo, en de pays ya, gagne fichier tout bandit, prison crasé. Remonter avec tout fichier, bandit, la police nationale t'a arrêté pendant un nombre de temps. Alors même là que vous connaissez, ça m'a dit là, et les poupris ont écrasé, c'est un bagage bien organisé au niveau du gouvernement haïtien, ok, au niveau du gouvernement haïtien, et le chef du CSPN, ok, et sim chef dans le moment là, m'a arrêté. M'a arrêté tout, m'a arrêté toute chaîne. Cason prison, Isaïe, c'est que c'est ton coup de temps de faire. Yeah, on m'a arrêté tout net. Tout nèg qui était dans chaîne CSPN là, n'a pas été tenu. OK. On s'est malheureux en barrer pour voir ça. OK, nous connaissons. Utilisé pour cas en prison. Clair. Louko. Moi même personnellement, moi braqué avec un nèg. Nos machines corps diplomatique. M'a suivre, l'homme contrôle bien moi. Oh. Qu'est-ce ça? Au moun. Qui yo épinglé dans ces dossiers. Regardez moi mon dit oh. C'est quoi cela? Et puis c'est mon ça quoi ouais donc nos machines corps diplomatique. D'où ça dit que je dis là? Mais malheureusement pas de guette prendre mon plaque là. OK. Au bon. D'où ça dit que je dis là? Fuck docteur directeur général de la police là, nomin Ramo composé avec et commissaire du gouvernement et responsable et chaque juridiction yo dans tout pays ya, spécialement dans l'air métropolitaine nan, et dire commissaire gouvernement Port-au-Prince, faut qu'il compose avec et faut qu'il gère ça avec des CPJ qui gagne tout fichier volé bandi et des grands chemins tout ces des bandi en dans pays ya. Et puis faut que la justice haïtienne comme pas le parlement aujourd'hui là depuis un nèg ou nan une machine corps diplomatique. Faut que la police nationale, faut que ça traite au niveau. Si n'a bien financé et sécurité. Ça m'a dit à la qu'on est que gagne qui capable penser pour tout même. Mais m'a dit moi-même. Parce que m'a servi pays. Oui. Vous connaissez. Faut que le conseil des ministres qui organise. Pour bailler la police nationale. Papa, la police qui a fait des autres, non. Pour bailler la police nationale. À tout juge de paix, l'amener opération. Faut qu'on conseille des ministres qui organisent, qui baille possibilité à la police nationale, accompagnée de juge de paix, pour fouiller machine corps diplomatique, machine officielle. Claire. Si on besoin, résoudre. Mais si on a besoin, il faut qu'il y ait action juridique qui prend avant. Mais ça doula et ça ne parle pas de ça. Et ça ne parle pas de on conseille des ministres qui prennent le pouvoir ça. Parce que pas le parlement. Ou on n'a pas le droit de fouiller machine corps diplomatique. D'après la convention du Genève. Ou pas le droit de fouiller machine officielle. Exact. Donc ça veut dire que, et ça ne parle pas de, il y a un gros conseil des ministres qui fait élargi, qui met en question ça, dossier ça. Parce que corps diplomatique. Il y a une bonne plaque diplomatique qui est perdue. Il y a une bonne plaque diplomatique qui est perdue. Et plaque officielle. Est-ce que machine ça est-ce que plaque ça n'est pas une machine moun, l'autre moun y a les gens. Et ça fait un parler de juge de paix. Plaque diplomatique qui n'a pas bandit. Voilà. Et ça fait un parler de juge de paix. Pour ça parler de juge de paix, c'est juge de paix pour bailler accès. Même machine privée, on ne peut pas rentrer. Pour ça parler de juge de paix. Et ça fait machine moun en exil. Il y a la veille là. Et mettre camion. Alors, vous êtes capable d'entrer, excusez-moi, Isaïe, ma fonti point et allez, doigt dans ça. La police capable d'entrer, elle est capable de pénétrer n'importe qui propriété. Moyennant que le gon mandat dans mail que cabinet tribunal pour ça ça va écrire le mandat de perquisition. Voilà. Ce mandat ça, c'est ça violation propriété. Voilà. Donc ça dit Louko Désir, moi espère que le gouvernement apprend note. Gon bonne machine qui gen plaque diplomatique, plaque officielle, plaque police nationale cap ferraille sous territoire national là et qui implique dans différents actes cap fait dans pays là qui gen des bandits notoires cap traverser nos machines ça yo. Donc faut gen une disposition qui prend pour nous résoudre problème de sécurité. Isaïe, est-ce que vous pensez
Est-ce que c'est son information nouvelle ou bay ou bay autorité ou là? Il va nouvelle connait. Connaît. Nèg connaît lui. Ou pas songer les GDEON te descend en bas, il dit li gon filature là pour ça faire pour aller prendre bandi, les ça été anel. Dans machine ni monter c'est nos machine on sénateur et quitter en fonction monsieur. Yeah. Et ça pas nouveau non monsieur. Est-ce que si nèg pas résoudre ça, c'est parce que pas gain volonté. Insécurité en soi si nèg pas résoudre parce que pas gain volonté politique pour résoudre les lycées. Eh ben, en tout cas, dossier insécurité. Ça qui passe la Thibonetti et ça, etc. La police prend contrôle, donc le commissariat pour son DA. Et la police nationale, et dans les frappes avec monsieur, plusieurs qui brèdent le bouchon, il y a plusieurs blessés qui l'hôpital, qui sous contrôle la police nationale, on a parlé là. Donc Paul Mena, Paul Mena a une bonne opération hier. Non, Paul Mena a fait un bel coup hier, et il frappe monsieur, et monsieur a frappé, en pile, bandit tombé. Tout le monde a crié, vous connaissez, embarrassé. En pile plein, Oh, on a crié. Bas grand griffe pour quoi gros frappier et aidé par la population c'est ça aidé par la population parce que monsieur dit yo pas décidé yo décidé pas courir pour vagabond encore et c'est ça pour chaque monde dans chaque côté c'est ça lui monsieur qu'est-ce qui passe avec Jacques Adair justement correct c'était support population que le dégain oui la police de bon population derrière allez. OK, c'est à la mort de Haute-Bas. OK. C'est parce que pas de gain ça nous relé et consolidation. Voilà. Qui fait que nèg venu Yes. Donc au niveau de petit hiver de la Thibonite. Donc hier là donc la police menait opération. Donc Paul Ménard dit menait opération. Donc base grand grippe grand pile bandi qui prend balle grand pile bandi qui mouri. En pile bandi mouri et blessé et gain cal prend sur la cabane de l'hôpital qui sous contrôle la police nationale. Très bien. OK monsieur. N'a propose et Orlando Babas n'a propose. Après pose là, n'a recevoir Tijan. Sous malette. Oui baba. N'a somouko. Eh! Ay fout ton nerf, moi. Salut encore, salut. Ça passe encore. Ça go encore. La mode est mode, non? N'yez sous malette! Oui, papa! N'yez sous mouko! N'yez sous malette! Oui, papa! N'yez sous mouko! Aïe, aïe, aïe! Nous prenons coup, garçon! N'yez sous mouko! Aïe, 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 Tijan! M'en foutre à nous d'abord! Allez! Où est-ce qu'on prend la boule, les garçons? Encore? Sami ou Tijan. Encore. Ou gen gros complot dans boudou garçon mouko. Hey. Toujours. Avant vous déplacer garçon. Moi mi glou nan mi caoutchouc. OK. Mi rosé caoutchouc, mi rosé tout mi quatre caoutchouc. Ah rosé, ouzé caoutchouc, tout caoutchouc machine nou. Garçon mouko. Oui Tijan. Malade pour d'ailleurs garçon. Non, ouais. On va bien parler. Garçon malade. Oui papa. Ou on compte qu'on a plein de machines garçon. Viens qu'on tombe le pied, garçon. L'est-il? C'est un mieux. Garçon mouko. Merci en pile. Oui Tijan. Il y a un gros magie qui a fait la garçon. Il y a mon directeur général qui a fait mes gros magie. Oui, bon ça. Ah oui. Garçon mouko. Oui. Tijan. Il y a un garçon qui est là, garçon dans mes fenêtres. Garçon qui est? Garçon comment? Mes fenêtres. FNE. On a ce genre. Il faut faire magie pour lui, mon vieux organ. On a ce genre, vous faire magie pour lui, le organ. Garçon, mes fenêtres. Oui, directeur FNE. Fondation de l'éducation, on a ce genre. Mon nom. Oui. On a Joseph. Oh, on a Joseph. Ok. On a Joseph, c'est vrai. Garçon, ça va faire gros magie pour lui, maman, Léogan. Il va faire gros magie dans Léogan. Tijan, il va faire job là, oui. Garçon, mouko. Tijan. Je vais foutre à l'autre avant, garçon. Je vais dire, garçon, envoyer trois femmes. Allez, venez. Fais magie pour lui, garçon, dans Léogan. Pour qu'on va occuper mes postes. Semble ti j'ai besoin de job là. Pour qu'on va occuper mes postes. Mais Lika fait job là, ti Jean. Lika fait job là. Lika fait job là. Garçon mouko. Ti Jean. Ah!
Sont encore. Parlez, si j'en parle. Mais moi, garçon, mais CPJ, oui. De CPJ. Où est de CPJ? Garçon, frère, ben oui, me prendre. Frédéric Lecôte. Salut encore. La une magie à tout. Garçon, voyez trois garçons à faire magie pour lui. Maman, ça vaut. Ok, Frédéric Lecôte voit trois garçons à faire magie pour lui dans un cerveau. Pour capable qu'il mette mes postes. Pour qu'arrêter nos postes là. Où t'as déposé? T'as déposé ici. Mais c'est où? M'balanti pour ta garçon. Non, ouais, loin. Et bien, faut pas la faire mon tout. Mon, ouais, loin. Ouais, loin. Garçon, Mouko. Oui. Garçon, Malep. Oui, papa. J'ai plus monde qui bon côté garçon, maman. J'ai un pile monde qui bon côté Nomil Rameau. Qui pas t'avle au déplacé. Qui pas t'avle au déplacé. Yo boule gros magie. Y'a fait gros magie. Garçon Amo. Nomi Amo. Avant vous d'entrer dans le bureau. Avant d'entrer dans le bureau. Chaque jour. Fais jeter de l'eau devant le bureau. Nomi Amo. Je dégage. Message appel pour Nomi Amo. Avant d'entrer dans le bureau chaque jour. Oui, poussez. Mais ça que t'es passé dans mi veille. Pas qu'il doit passer dans mi matin. Ça que t'es passé dans veille là. Aïe, il va y doit passer dans demain. Garçon, mami, maman. Non, mi ramo. Yo te pouye papa. Yo te touye papa. Yo te fait mi complot pour te touye papa. Yo te fait complot pour touye papa. Je te lague le nom basse, papa. C'est ça, garçon. C'est ça, garçon. Mi complot. Garçon, maman, s'il pas m'organiser, les garçons, là, j'ai même problème avec. Oh! Il te gagne déjà. Si non, mille là, moi, pas organiser, là, j'ai même. Oh! Allez, tu peux garçon? Non, ouais, loin. Sinon, mille rameaux, pas organisé li. Bagaye te gagne déjà. Le on te fait attaque sous li. Nan Petionville, nan Miro, nan Petionville. Ok, ce problème te gagne déjà. Le on te fait attaque sous li, nan Biro, nan Petionville là. Y'a bon mi pigou attaque. Oui! Y'a bon pigou attaque, oui! Eh bah, tu m'as petit, non, si j'ai dit. Bah, ça te gagne balle, cartouche tombe nan Biro, nan mille rameaux, oui. Mais oui! Fantôme 609. Sorry, parlez, poussez. Parlez, garçon Gary Conny. Gary Conny, encore? Garçon Gary Conny. Oui, Gary Conny encore? Garçon Gary Conny. Gary Conny. On va lui faire une visite. Ok, où est-ce que nous visitons? Avant, bain nommé. Lavez-moi de l'eau. Lavez-moi de l'eau. Où t'en es, père? D'ailleurs, t'es pas comme ça pour déjà. Gary Conny. Où pas faire mes gros rencontres? Où pas faire gros rencontres? Avant, faire mes rencontres? Lavez-moi. Mettez-moi citron dans l'eau. Mettez citron dans l'eau après lavez-moi. Mettez citron dans l'eau après lavez-moi. Il va me mettre. Oh! Sors encore! Gazon Mouko! Parlez, tison! Gazon Mouko! Poussez, sors ouais! Un pire garçon, qui bon côté mi CP, mi gouvernement, mi gouvernement! Capre les mi femmes, faire qu'on est au cap mettre dans mi poste! Wouh! Capre mi bagarre, oui!
Washington. Oui. Kenya qui vient d'ajouter yo. Oui. Garçon Mouko. Tijan, soldat sa yo, sa pa l'ekle nan peyi ya. Eh mais garçon Mouko. Qui est quoi le mourir? Eh! Ça c'est blanc! Qui est quoi le mourir? Qui est soldat Kenya qui va mourir dans le pays là? Yo père Michat! Yo père Kouchat! Yo père Kouchat! Yo père Biovin là! Oh! Ou pas, garçon Mouko! Yo t'avais mis prière! Je t'avais mis prière. Je t'avais mis prière. Garçon Mouko! Garçon malade! Oui papa, oui papa! Il y a trois chefs gang qui peuvent tomber, pas trop longtemps! Yes! On a les bons chefs gang ça haut! Qui est-ce que vous avez dit? Niveau 1! Garçon Mouko! Moi je voudrais aller d'abord! Mais ouais, non, mimi, hein? Il y a trois chefs gang qui pourraient tomber. Okay, mais pas trop longtemps. Il y a trois chefs gang qui pourraient tomber, pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Numéro 1. Poussez, Tijan. Allez, regarde. Mi gros complot comme combinaison qu'a organisé pour mi gros chef gang pour te demi non pas si par là sauvé. Madame monsieur, c'est dans notre quotidien pour ce mardi 16 juin 2024 à l'émission Matin Débat. En tout cas, bon là il est Galette et bravo nous jeunes jeudi. Bye l'ambile. C'est pas débat dans Bilibang. Ah, mais gros complot, gros combinaison qu'a fait pour gros chef gang qui te paye. Et ça, son information, nous te gagnons déjà ici en émission Matin Débat. Gapil soldat qui était dans la base, ok, de chef gang qui a quitté le pays à Galette, calé Mexique. Oui, si j'ai dit ça. Information hier dans l'émission Matin Débat. L'idée même dit que Louko désire que Nègre après habiller tant que femme, changer de nom, etc. En question pour capable faciliter yo et font craser quitter ça. En tout cas, et bagay yo compliqué et bagay yo en pile la République là. Il y a trop façon mon a quitter Haïti, ça je sais. Donc, question pour abséné. On sait de monde déjà ou pas. Qu'on est déjà ou pas habitude avec lui, un peu difficile parce que moun kite Haïti pas toute voie. Ça va toute voie est moyen. Bon, en tout cas, et là nous. Ok, on a les messieurs. Yeah. Pour finir avec dossier Magali habitant, Fabli que nous gagnons deux points que nous avons prêté ensemble. Haïti politique. Le premier ministre Guy Koni a rencontré hier le leader de Petite Dessalines, Maurice Jean-Charles. Qu'est-ce qui a été dit? Par contre, si nous remarquons Maurice Jean-Charles, semaine dans la. C'est devant la scène, Ah oui, devant la scène. Pas une jouet, les politiques à fait. Devant la scène, Nadou, et. Faut discours à changer, oui. Discours occidental. T'es toujours un discours contre l'Occident, oui, monsieur. Il a toujours gagné.
Poutine est devenu l'homme des ambassades. Poutine chita avec Il est devenu l'homme des ambassades. Donald Trump chita avec Joe Biden. Et là, il m'a d'accord. Allez, c'est pas ici, un pas un monde qui rappelle là comme macaque. Mes amis. Et nous, là, sous ça, dans deux cas, c'est où pour un discours, pour un discours. Pas mettre aucun monde dans la confusion là. Il change quand, faut le changer quand, il comprend mal à l'autre, il quitte là où il s'est tombé, pour la deal, la travail avec l'Occident. Il est devenu l'homme des ambassades. Sortez-moi là. Claire. Parce que moi, je j'ai le talent et je fais le talent et l'homme des ambassades. Ni la France, ni les États-Unis. Américain au 4 juillet. Dans l'ambassade de France, 14 juillet. Ok? Et puis, hier, quand il y a un côté, dès que ça parle là. Ok? Et même Poutine, même Poutine, quand il y a qui a posé cette petite question, ça va, ça est là. Ça est là. Hey! Non, attendez, monsieur. Pas de ma gauche, écoutez, pas de ma gauche dans la politique. Qui nous, où remettez, nous, où est-ce que vous comprenez là? Où remettez en confiance? Vous remettez en question cette question de conviction de Moïse Jean-Charles par rapport avec vis-à-vis de l'Occident. Non, 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 Yes. Oh. Ça les gars, on va faire bizarre bizarre. Et pas nous là qui cap ils ont envie dans dossier je vais vous dire dans bizarre américain. Ah oui, et ou dans genre, ou dans genre. Parce que on te promettre lui, on va te promettre lui pour faire retourner aux États-Unis, je veux l'élever, j'en veux. Est-ce que comprendre? Et puis il a fait balai blanc et puis on fait balai blanc maintenant. Et puis on a même les bail tout équipement, bail moyen, bail ça. Qui leader politique qui va d'arriver venir américain. Il est devenu maintenant l'homme des ambassades. Que lui baille, je tiens une explication à peuple là. Que le chien est discours. Parce que discours contre l'Occident, l'hip-hop marche encore. Ouais. On va sur ça, oui. Ça fait discours de gauche. Ça fait qu'on dit pas marcher Louko. Parce que pour lui pas marcher action, moi bon pour Louko. Ça fait pas marcher encore. Et là, Pep ça, c'est mon pep macaque encore. Mais justement, Louko, et il n'y a pas que Moïse Jean-Charles qui doué. Pep ça, mon pep. Non, il n'y a pas que lui, non. Et tout, vous pas qu'être bon l'autre, beau frère. Vous pas qu'être bon, pas qu'être bon l'autre. Pep ça, mon pep macaque encore. Qui te prend pouvoir? Il n'y a pas une composition, et puis c'est pas vrai. C'est ça, qui te prend pouvoir? Et avec main gauche, main gauche, main droite, et puis. Il y a séparé par là à main gauche, il y a droite et gauche. Ah. Le cas de Jean-Baptiste Aristide, on se rappelle. Oh, Moïse Jean-Charles, il faut reprendre comme quoi. Ouais. Jean-Baptiste Aristide, tu as prêché contre l'Occident. Yeah. Et puis, voilà, il y a un conforme. Il n'y a pas de discours de gauche. Moïse Jean-Charles, il y a tout quoi. Dis qu'on t'en campé. Discours de gauche, là, tout. Qu'on t'en campé. Les amis, et bah on vient à la rue en février à Moïse Jean-Charles d'aller en Russie avec un paquet de parlementaires. Exactement. Et puis, Moïse Jean-Charles, il y a tout quoi. Dis qu'on t'en campé. Dis ça va là, ça va. D'ailleurs, voilà, au grand monde, vous faites sauver. Je pense que j'ai un petit visa pour aller famille, ou qu'à t'il Qui donne des fois, attendez, pour Jean-Charles a parlé de Venezuela. Qui donne des fois, vous donnez pour Jean-Charles a parlé de la Russie. Mon cher. Qui donne des fois, vous voyez, c'est question de CP, CPT. Notre invité à l'émission de ce mercredi, qui sera combien 17 juillet 2024, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, ok, c'est invité par nous. Demain. Quoi, okay. Ouais, c'est de CPT. CPT. Ok. Il y a un peu de Gaïgoni, sous qui ça d'abord même. Ok. Zigi. Le sénateur Moïse Jean-Charles, encore le premier ministre Gaïgoni, sous qui ça, il parle. Non, et moi, ce qui dit, c'est selon le débat, en fait, ça qui était le débat, c'était accord 3 avril là, qui était la création de la CPT, etc. Officiellement. Bon, oui, il y a l'autre bail qui a parlé. Qui m'a dit, non, là, c'est pas source. Bonjour, source, ou ça me dit là. Oui, ministère agricole, ça va te parler, non? Vous m'en briez. Information! 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 Information!
Ça a licence d'un gars gain. Information. Parlez, parce que. Bagayo. Question licence d'un gars, il faut que nous comprenions. C'est le ministère agriculture. Bagayo, mais ça, ça vous l'a fait. C'est le ministère agriculture et le ministère agriculture se passe un bon bout de temps là. Où t'as dit. Licence d'un gars actuellement là, il y a moins de 100 000 dollars avec lui. Oh. Licence pour mon licence pour exploiter à faire bail zangi dans pays là, OK, yo mande 100 000 dollars américains pour lui. Yo dit là. Donc si pas 100 000 dollars américains, ou pas gagner une licence zangi dans mais on. Charge. Vous causez. Vous causez. Et faut que nous comprennent et nous avons fait exercice pour aller chercher pour parler nous pas parler nous pas parler ça mérite un grand enquête nous pas parler je dis à licence Zanguia il a demandé 100 000 dollars américains pour lui sur marché là donc c'est ministère agriculture qui baille lui je dis à là mais c'est 100 000 dollars américains c'est ministère agriculture qui doit baille. Oui, c'est agriculture, mais. Non, agriculture, mais. Il est toujours. Il est toujours pour un monde. Il est toujours pour un monde. C'est pas ministre, non, qui est libre pour ni retirer licence, pour bailler licence, non? Merci, mon frère. Je te parle de Kiko Seremi dans le dossier de Zangi. Ah, moi, j'ai vu une. Quelle information est-ce sur Kiko Seremi? On va mettre l'autre, non? Kiko Seremi, c'est des gars, c'est où bien négocier? Amour et Jean-Charles, ou bien lui mettait point lui, ok? Et puis lui gourmet avec négocier à faire licence de guerre. Non, c'est pas Kiko seulement, dans le dernier passage là, c'est pas Kiko qui mettait la guerre. C'est deux forces, oui, qui te contrôlent les marchés en guerre dans le pays. Voilà, de voilà, voilà, voilà. Attends, les moudali. Voilà, voilà. Dernier passé à là, c'est pas Kiko. Il y a deux choix, ouais. C'est ou bien négocier avec Amour et Jean-Charles sous question de licence en guerre, ou bien continuer. Gourmet de force pour que contrôle marché Zangia dans le pays. Alors, Louko, faut nous dire que nouveau ministre connaît Bagay là bien parce qu'il était secrétaire d'État et dans le ministère. Il connaît. Oui, il connaît Bagay là bien. C'est pas un monde qui a venu là et puis pour aller balquer, mais ça n'a pas existé. Donc, ah oui, bon, dégagez-vous. En tout cas, ça, son dossier n'a pas suivi ici. Donc, dans l'émission Matin Débat, madame, monsieur, donc sur Radio Téléclair, également sur toutes les stations radio, donc qui voulait l'émission ça va également au niveau de la diaspora haïtienne. On a les Haïti Administration. Qu'est-ce qui se passe à l'ONA? Le journaliste Giovanni Michel aurait-il vendu la mèche? Et ça, c'est ça, comment nous? Eh bien, nous connaissons, madame Marie Scott. C'est gros désordre l'a fait selon information qui relayée par Giovanni Michel et les mal vérifiés, moins ouais que Giovanni Michel pas bail menti.